Alors, je suis une jeune femme, une jeune Guadeloupéenne de 36 ans. J'ai deux enfants de 13 et 10 ans, deux garçons. Je suis originaire de la jolie commune de Vieux-Fort et j'habite dans la jolie commune de Capesterre-Belle-Eau depuis quelques années. Je suis actuellement au chômage, comme 54 000 autres Guadeloupéens. Lorsque je travaille, je suis une professionnelle du commerce, de la distribution, du marketing et du management. Donc, je suis aujourd'hui une personne formée, diplômée. J'ai un master en économie et droit privé avec une spécialité en marketing. Et je suis une jeune femme qui est aujourd'hui engagée et qui s'engage pour son pays et pour son avenir surtout, parce que on peut faire beaucoup de choses pour le présent, mais il faut aussi penser à l'avenir de notre territoire. Donc, j'estime que comme j'ai des enfants et que beaucoup de Guadeloupéens aussi ont des enfants, mais qu'il est nécessaire d'apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution quand on est une personne qui a quelque chose à dire et des choses intéressantes à proposer à son territoire. Alors, l'intérêt, c'était de pouvoir créer une organisation, une structure dans laquelle les Guadeloupéens pourraient plus se retrouver que dans les structures déjà existantes. On n'a pas cherché avec mon équipe à créer un parti politique, ce n'était pas du tout ça l'objectif de départ. Ce qu'on voulait, c'était être en capacité de faire une proposition de projet guadeloupéen à la population. Et en fait, à la fin de tout ce travail, puisqu'on a travaillé ensemble avec différentes personnes qui sont venues nous apporter leurs contributions, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur analyse également, qui était parfois différente de celle que nous faisions. Une fois qu'on avait fait cette première partie, on est allé à la rencontre de Guadeloupéens qui sont des spécialistes dans leur domaine, qu'on peut considérer comme étant des représentants de leur filière. Et donc, ils nous ont apporté des éclairages, encore plus de vision, nous ont parlé des difficultés qu'ils ont aujourd'hui à pouvoir travailler et à développer. Et l'idéal à atteindre pour qu'ils puissent estimer que le pouvoir politique soit réellement mis à leur service, soit réellement mis à leur disposition et qu'ils peuvent ainsi l'utiliser pour faire avancer la situation pour la Guadeloupe. Et donc, du coup, le parti politique, c'est la dernière chose que nous ayons faite. On a d'abord travaillé pendant quasiment une année à la rédaction d'un beau projet, d'un véritable programme, d'une véritable vision pour la Guadeloupe. Et à la fin de tout cela, comme on s'est rendu compte que le travail était conséquent, et bien du coup, on a créé une organisation qui nous ressemble, parce que les autres organisations, ben, même s'il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi des choses qui sont mauvaises, elles ont des casseroles, des réputations, des personnes qui ont fait du mal à la Guadeloupe. Et on ne voulait pas associer ce beau projet à ces personnes, alors que on connaît déjà un peu le système, on apporte de bonnes idées, elles sont récupérées uniquement pour baratiner finalement la population et se maintenir à des places de pouvoir dans lesquelles les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues. Donc, partant de ce principe, on a préféré une carte blanche. On a créé l'organisation. Lorsqu'il a fallu décider de notre position sous l'échiquier politique, eh bien, nous sommes documentés, comme on l'avait déjà fait au préalable pour préparer notre projet également. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, par rapport à tout ce que nous avions listé comme valeur, eh bien, que nous étions du coup un parti humaniste. Et donc, on s'est pris l'étiquette de parti humaniste. Alors, je suis restée quelques mois au sein de ce parti parce qu'au début, j'ai trouvé intéressant le concept de l'évolution statutaire. Mais par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément dites à la population, il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas en phase, et donc j'avais de la liberté d'intégrer le parti, je l'ai intégré, j'avais la liberté de le quitter, je l'ai quitté. On est aujourd'hui dans un véritable constat que la Guadeloupe a des représentants qui ne représentent pas la Guadeloupe dignement, qui sont dans une posture d'aplaventrisme permanent, à se contenter d'attendre des feuilles de route du national pour pouvoir purement et simplement les mettre en application sur le territoire guadeloupéen. Donc il n'y a pas de projet émergent de Guadeloupéens pour les Guadeloupéens, et c'est là que nous voulons absolument faire les choses autrement. Notre projet, et d'ailleurs votre parti, n'est pas une fédération d'un parti national, n'a de compte à rendre à aucun parti, ni au national, ni à l'international. Ce sont des Guadeloupéens qui ont travaillé pour le peuple guadeloupéen. Nous serons présents sur ces élections parce que nous considérons qu'il est utile de dire qu'une autre voie est possible à la population guadeloupéenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens sont dans deux postures qui sont contradictoires et dangereuses. La première posture, c'est la posture de complice.
on est complice des élus que nous avons, puisque nous savons qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il n'y en a aucun qu'on peut vraiment considérer comme étant nouveau. 10, 15, 20, 30 ans d'expérience en politique en Guadeloupe. Comment est-ce qu'on peut considérer que ces gens, si en 10, 20 ou 30 ans, n'ont pas travaillé pour la Guadeloupe, que c'est à partir de 2021 que soudainement, ils vont le faire? Donc, il faut arrêter d'être complot de ces manigances, complot de ces élus, et en même temps, d'être victime de ces élus, parce qu'au final, le chômage, il est là, l'économie est détruite, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement. Et lorsqu'on veut que les choses fonctionnent, on est obligé de descendre dans les rues pour faire des barrages, pour se faire entendre, pour réclamer ce qui pourtant nous est de droit. Donc, partant de ce principe, il est nécessaire de se présenter à cette élection pour montrer aux élus que l'institution peut réellement travailler à son service et qu'avec de bons élus, eh bien, qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui a été proposé jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, pas grand chose. Il n'y a rien qui me revient tout de suite qui puisse dire que ça a fonctionné. On est dans une démarche de saupoudrage d'argent public où on met un petit peu d'argent par-ci, on met un petit peu d'argent par-là, où on fait de la politique en fonction de l'actualité et pas en fonction d'une volonté de gérer les problèmes pour qu'une fois qu'ils soient résolus, ces problèmes, que ce soit de façon durable. On ne pense pas aux conséquences des actions et des ricochets que ces actions peuvent avoir sur d'autres secteurs ou d'autres filières ou sur la population guadeloupéenne. Donc, je pense que la gouvernance Chalus a manqué de courage, a manqué de force de travail. Il y a des choses pourtant qui ont été écrites, qui étaient plutôt bien pensées. Mais entre les cris et les mots et les actes, la gouvernance sortante a des écarts qui sont importants et donc qui ne sont pas du tout profitables à la population guadeloupéenne. Ah oui, totalement, bien sûr. Sur le problème d'eau, par exemple, nous, on a une position qui est très claire. La position, elle est de dire que les élus, enfin, nous, futurs élus et les élus que nous avons aujourd'hui, ne sont pas des professionnels de l'eau. Il faut impérativement entrer dans une véritable concertation avec ceux qui savent déjà. Ce n'est pas aux élus de décider de la feuille de route, mais aux élus de demander aux techniciens, à nos ingénieurs, ce qu'il faut faire pour qu'eux, ils soient là pour apporter les moyens financiers, les moyens légaux, réglementaires, pour la mise en place des bonnes techniques, des bonnes pratiques pour pouvoir résoudre ce problème. Sur cette question, d'ailleurs, on s'est exprimé lors de notre conférence de presse le lundi, 8 mars. Nous avons partagé à la population que durant cette année où nous avons travaillé, eh bien, nous avons trouvé une solution pour que déjà les Guadeloupéens cessent de payer l'eau. Parce que au début, nous sommes partis sur une réflexion de se dire de trouver une solution pour que la facture soit moins douloureuse pour soulager les foyers. Mais en fait, dans notre travail de réflexion, de recherche, de documentation, de calcul, on s'est rendu compte que la gratuité de l'eau était possible. Et donc, du coup, même si on ne va pas élaborer tout de suite le dispositif, mais on peut mettre en place un dispositif qui permettra d'avoir pour toute la population guadeloupéenne, entreprises, associations, particuliers, institutions et collectivités, de l'eau gratuite et ce de façon permanente. Là aujourd'hui, c'est acté que le SMO va être créé. La loi a été votée, je crois, hier encore. Donc du coup, c'est sûr, les choses vont se passer ainsi. Maintenant, notre dispositif dont on parle justement va financer le SMO suffisamment bien pour que les travaux soient assurés. Donc, on n'est pas sur une démarche à juste dire que l'argent tombera du ciel, ce n'est pas le cas. En tout cas, l'argent sera présent, l'argent fera son travail et nous aspirons ainsi à faire que les travaux permettent aux Guadeloupéens de se sortir de cette situation et pas sur les 10 ou 15 ans comme ils sont annoncés aujourd'hui par les élus, parce que de toutes les manières, aujourd'hui, ce qui est l'aberration pour moi du SMO, c'est de se dire que les mêmes élus qui n'ont pas su gérer le SIAC, qui étaient tout petits comme ça, vont être à la tête d'un SMO qui sera juste 4 fois plus gros. Comment est-ce que des personnes qui n'ont pas su gérer une petite structure peuvent gérer une structure identique, mais beaucoup plus grande? Enfin, nous, on voit venir de loin les problèmes de corruption, de détournement d'argent public, de clientélisme. Enfin, s'il n'y a pas un pouvoir politique à la tête de cette institution ou au cœur de cette institution qui fasse entendre la voix des Guadeloupéens et qui mette un veto,
on va se retrouver avec un SIAC 2 qui déjà part avec des dettes bancaires de plus de 90 millions d'euros. Et ça va être très compliqué d'assurer l'avenir de l'eau et de sa distribution sur le territoire guadeloupéen. Nous sommes très vigilants là-dessus parce que l'eau, c'est la vie et que tout le monde en a besoin pour tous les usages. Donc, il faut pas juste se contenter de dire on a créé un SMO et parce qu'on a créé le SMO, tous les problèmes seront résolus. On ne sait toujours pas quelle est la réflexion des élus sur le tarif de l'eau que eux y prévoient. On ne sait pas avec quelle entreprise ils ont l'intention de faire les travaux. Est-ce que ce sont des Guadeloupéens ou des entreprises nationales ou européennes? Il y a quand même pas mal de flou, pas mal de choses qui sont pourtant importantes à connaître, à maîtriser pour pouvoir faire avancer ce dossier correctement. Mais on peut dire tout ce que l'on souhaite. Le problème de l'eau en Guadeloupe tient sur deux points essentiels. Un problème humain et un problème financier. Dès lors où ces deux problèmes sont résolus, les travaux seront réalisés et tous les Guadeloupéens vont se sortir de la galère d'ouvrir le robinet et de ne pas avoir d'eau, quelle que soit l'heure de la journée. LGCA, la Guadeloupe Concertée en Action, est un parti humaniste. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un concept qui est un peu difficile à comprendre. En fait, un parti humaniste, c'est une catégorie de partis politiques, au même titre que les indépendantistes, les autonomistes, les socialistes, les anarchistes ou les anticapitalistes. C'est une catégorie de partis politiques. Alors, c'est une catégorie qui existe depuis 1969 dans le monde, depuis 1984 en France. Et c'est juste que personne aujourd'hui n'avait eu le courage, l'audace de créer un parti humaniste en Guadeloupe à part nous. Donc, nous l'avons créé. Donc, c'est un parti qui met l'humain d'abord au centre de ses préoccupations. Un parti qui fait l'affirmation de l'égalité de tous les citoyens, un parti qui fait la reconnaissance également de la diversité personnelle et culturelle comme étant des richesses de la société. Et je pense que ça, c'est très important parce que sur les derniers mois qui se sont écoulés, on a eu beaucoup de difficultés dans le vivre ensemble. On a estimé que tous ceux qui n'étaient pas nés en Guadeloupe étaient des problèmes sur le territoire, sauf qu'ils sont personnellement différents, comme nous sommes individuellement différents également, mais c'est le partage de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous savons qui fait la diversité culturelle de notre territoire et qui en fait l'une des richesses également. Donc nous sommes pour le vivre ensemble et nous sommes pour le fait que les humains que nous sommes, puisque avant d'être Guadeloupéens, d'être ci ou d'être ça, nous sommes d'abord des êtres humains qu'on doit trouver la façon la plus humaine, respectable, de pouvoir purement et simplement vivre ensemble. On ne s'attend pas à ce que tout le monde s'aime, mais au moins que tout le monde se respecte pour pouvoir avancer ensemble, c'est là-dessus qu'on préfère appuyer notre réflexion. Un parti humaniste est aussi un parti qui lutte contre les discriminations. En Guadeloupe, c'est très important de lutter contre les discriminations parce qu'on en est victime partout, pour l'emploi, pour obtenir une subvention. Quand vous n'avez pas le bon nom de famille ou quand c'est pas la bonne personne qui vous a coopté, vous pouvez pas avoir une subvention alors que vous avez envie de développer une activité, de créer des emplois, et donc ça peut être très compliqué. La discrimination, elle est partout, à tous les étages, pour se loger, pour absolument tout. Donc du coup, je sais que le travail, il est conséquent, qu'il est difficile, mais ce n'est pas pour rien qu'il faut à un moment donné s'exprimer, s'engager et donner un bon coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir changer les choses. J'estime, et mon équipe aussi estime la même chose, que rien n'est écrit dans le marbre et que c'est la volonté des hommes qui fait que les choses changent, que les choses évoluent. Donc du coup, nous sommes volontaires, nous sommes engagés pour aller dans ce sens-là. Un parti humaniste est aussi un parti qui prône pour la participation, la démocratie participative des citoyens dans l'expression politique, faire en sorte que pour les grandes décisions, que les citoyens soient de façon plus systématique consultés, et pas juste consultés, mais vraiment pris en considération dans la réponse finale qui est donnée. Et nous sommes aussi favorables à la mise en place d'une loi de représentation publique, parce que nous estimons qu'il n'est pas normal que des candidats, quand ils se présentent aux élections, fassent des promesses et considèrent que parce qu'ils ont eu un mandat, eh bien, qu'ils peuvent souffrir le luxe de ne pas mettre ces promesses en application. Et nous faisons ainsi perdre du temps au développement de notre territoire parce qu'il est plus important pour eux d'assurer leur avenir, de remplir leurs poches plutôt que de travailler pour les citoyens. Donc voilà, notre démarche et les grands fondements du parti humaniste. Notre première valeur, c'est l'intégrité.
C'est-à-dire qu'une personne, dès lors où elle a perdu son intégrité, elle ne peut plus être membre de la Guadeloupe Consciente en Action, elle ne peut plus parler au nom de cette organisation, ne peut plus se présenter à une quelconque élection avec l'étiquette la Guadeloupe Consciente en Action. Parce que l'intégrité, c'est ce qui permet de faire tout le reste. Si on n'est pas intègre, on prend de mauvaises décisions. Si on n'est pas intègre, on est manipulé par d'autres forces que l'intérêt général et donc on ne travaille plus pour la population. Donc c'est très important d'avoir des élus intègres. Tout le reste, ça s'apprend. On peut apprendre l'économie, on peut apprendre le social, on peut apprendre l'environnement, on peut apprendre la culture, on peut tout apprendre. Il y a des rapports, des livres sur absolument tout. Mais l'intégrité et la responsabilité, ça ne s'apprend pas. C'est soit on l'a et on la conserve, soit on ne l'a pas. Et en tout cas, à ce moment-là, on ne peut pas être membre de la Guadeloupe Consciente en Action. En deuxième point, nous avons l'ouverture. L'ouverture des champs des possibles. En troisième point, nous avons la transformation pour que la Guadeloupe ne se contente plus d'être juste la Guadeloupe terre de talent, mais devienne la terre d'opportunités. Il est plus que temps que chaque Guadeloupéen puisse, en fonction de ce que lui, il souhaite apporter comme contribution dans son pays, avoir l'action politique à son service. Il faut arrêter de forcer les gens soit à partir de la Guadeloupe, soit à suivre une voie professionnelle dans laquelle ils ne sont pas à l'aise. Donc du coup, nous voulons faire en sorte vraiment que chaque Guadeloupéen soit considéré comme étant une personne unique, originale, libre de faire ses choix. Et j'aime à dire souvent que l'action politique, en fait, son rôle, c'est d'être l'ami invisible de chaque Guadeloupéen. C'est un ami qui dégage les sentiers, prépare le terrain pour que lorsque les gens veulent se lancer, quelle que soit la voie qu'ils veulent suivre, eh bien, que les dispositifs soient à leur disposition pour qu'ils puissent s'en saisir et les utiliser comme bon leur semble. Il faut vraiment qu'on remette cette liberté d'agir à chaque Guadeloupéen et que tout le monde trouve la place qu'il souhaite et puisse s'en saisir sans aucune difficulté.